Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine ainsi qu'un très bon week-end. Eh bien, je suis Cristal, vous me connaissez maintenant, énergéticienne, chamane, et je fais également des canalisations, etc. Et je viens vous parler de votre animal totem de la semaine. Alors, quel est l'animal totem de la semaine qui s'est présenté à moi aujourd'hui? Eh bien, c'est la biche. Eh bien, il faut savoir que la biche va nous donner un petit message. Et elle nous dit ceci. File, va de l'avant, suis le vent, suis ta vie. Sois léger dans ton pas, cours après moi. Je te guiderai autant ici qu'au-delà. Je trouvais ça très joli à vous citer et j'avais vraiment envie, à cœur de vous le citer. Donc, j'espère que ça vous plaît. Alors, là, il faut savoir que la biche incarne la pureté, la beauté. C'est la représentation du féminin sacré. Nos ancêtres celtes considéraient que les biches étaient des fées incarnées parmi le peuple animal pour accompagner les humains dans le royaume de l'au-delà. Sa délicatesse est faite de sensibilité et de grâce. Lorsque nous rencontrons l'esprit de la biche, ça veut nous dire, c'est toujours pour nous révéler la sagesse et la puissance du féminin. La biche nous apporte la confiance en notre intuition. Elle nous rappelle qu'il est inutile de forcer, de tirer ou d'insister lorsqu'un événement ne se déroule pas comme on le souhaite. Elle nous invite au contraire à changer de territoire et à bondir dans une autre direction et à ne s'attacher à rien. La biche vous invite également à toujours vérifier le poids de nos pas, à nous séparer de tout ce qui nous alourdit ou nous ralentit pour nous permettre d'avancer. La biche est toujours signe de mouvement, de légèreté, de grâce et d'élégance. C'est le mouvement qui donne la direction. La biche vous invite à lâcher prise, à ne pas chercher à contrôler l'autre, et encore moins la situation si vous ne savez pas que faire. À vous laisser porter par le vent et par votre intuition. Par sa grâce naturelle, la biche est aussi signe de beauté, de délicatesse. Elle vous invite à prendre soin de vous et des autres, à vous respecter, à être doux avec votre corps, à vous mettre en valeur, à développer votre élégance naturelle. C'est cette élégance qui inspirera vos actes, tout comme vos paroles. Voilà. Je trouve que c'est plein de charme, plein de douceur d'être en contact avec cette biche. Donc, si vous avez besoin de sagesse, de légèreté, de douceur, de compréhension, bien, laissez-vous bercer par l'esprit de la biche. Alors, ce qu'on peut retenir comme mot important dans ce qu'on vient de dire, eh bien, il y a la sagesse de cet animal. Il y a la légèreté, il y a la rapidité, il y a l'intuition féminine, il y a le féminin, il y a la délicatesse, il y a la douceur, il y a la connaissance intuitive, il y a surtout le lâcher prise, et pour terminer, il y a la beauté. Sachez admirer toute beauté dans ce que vous regardez autour de vous. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et j'espère que la compagnie de la biche vous fera beaucoup de bien pour cette période. À bientôt, Cristal!